Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu. Shalom, choisi de Dieu. Shalom, serviteur et servante de Dieu. Shalom, enfant de Dieu. Je te salue, toi le bien-aimé de Dieu, par le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous rassemble en ce matin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, d'âge en âge, de génération en génération. Lui qui a bien voulu renouveler le souffle de vie en nous en ce matin, ce n'est point une évidence, la vie est une grâce. Et Dieu nous le donne en ce matin. Il nous l'a donné durant toute l'année 2023 et il continue de nous donner la vie. À lui soit la gloire pour les siècles sans fin. À lui l'honneur, la puissance, l'action de grâce, les ovations. À lui les acclamations, lui notre Dieu qui siège dans les lieux élevés. Sois loué Père très saint, sois loué Adonai, sois loué Seigneur de gloire. Sois loué pour mon frère, ma sœur, sois loué pour la paix et la joie que tu sèmes dans les cœurs. Sois loué pour ta bonté et ta faveur qui se renouvelle chaque matin dans nos vies. Sois loué Père de gloire. Honneur à toi, puissance, action de grâce et louange en tout temps et en tout lieu. Nous te bénissons, Père, de ce qu'en ce matin, tu nous parles encore, comme tu le fais chaque jour. Et l'Église, notre Mère, nous parle en ces termes. La parole déclare qu'en ces temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tomba à ses genoux, lui disant, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » La parole déclare qu'à l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce de ce qu'en ce jour tu te révèles comme étant Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit. Ils sont nombreux ceux qui attendent cette guérison venant de toi. Tes enfants qui nous écoutent de partout, Jésus, ils sont nombreux et tu les vois chacun dans le coin où il est. Alors nous te supplions en ce matin d'étendre ta main comme tu l'as fait dans la parole, de toucher chacun là où il est. Ta main n'est pas courte pour sauver. Alors agis dans la vie de tes enfants qui ont besoin de cette grâce de la guérison. Physique comme spirituel, Jésus-Christ de Nazareth. Tu le peux, tu en es capable, et toi seul es capable de le faire d'une manière sûre et gratuite. Alors agis, agis Jésus, s'il te plaît. Bien-aimé, élève ce cantique avec moi et implore la bonté de Dieu. Implore cette grâce de la guérison dans la vie de ta famille, de tes proches, dans la vie des personnes qui te sont chères. Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. Mon Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. Yahweh Rapha guérit. Mon Jésus guérit. Jésus guérit, Jésus guérit, mon Seigneur guérit, Jésus guérit, oui Jésus. Guérit.
Jésus guérit. Jésus rejoint ses enfants. Là où ils sont, il les touche. C'est ce qu'il fait en ce moment. Mon Seigneur agit puissamment. Dans la vie de ceux qui l'appellent. Son nom est Yahweh Rapha. Alléluia. Il est capable de te relever. Alors crois-le, sois-en convaincu. Je te le dis, ton Seigneur est à l'œuvre. Il l'a fait pour la belle-mère de Pierre. Alléluia. Jésus est capable de le faire pour toi, mon frère, ma sœur. Parce qu'il est Yahweh Rapha. Le Dieu qui guérit. Tu es Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit. Tel tu te révèles à nous aujourd'hui en ce matin. La parole déclare que tu étais saisi d'une grande compassion quand tu as vu la belle-mère de Pierre. Tu étais saisi d'une grande compassion également quand tu as vu cet aveugle qui est venu à toi pour te dire « Si tu le veux, guéris-moi ». Tu étais saisi d'une grande compassion. Cette même compassion t'habite en ce matin. Alors que tu vois tes enfants qui souffrent, alors que tu vois tes enfants qui sont malades, ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont dans leur lit, à la maison, tu les vois, Jésus, parce que tu es l'omnipotent et tu es l'omniprésent. Je te prie, toi, mon Seigneur et mon Dieu, touche-les. Bien-aimé, pose cet acte de foi. Déclare que tu es guéri au nom puissant et glorieux de Jésus. Crois-le et sois-en convaincu. Crois-le et sois-en convaincu. Là où tu es, lève-toi et déclare que je suis guéri au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et demeure dans cette foi, parce que Dieu est Dieu. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille constamment sur sa parole pour l'accomplir. Et c'est cette parole même qui déclare dans Isaïe que dans ses saintes meurtrissures, nous sommes guéris. Alors que tu te lèves et que tu déclares que dans les saintes meurtrissures de Jésus, je suis guéri, le miracle s'accomplit. Parce que tout dépend de ta foi. La parole déclare que rien n'est impossible à Dieu. Mais également tout est possible à celui qui croit. Alors crois de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Parce que Jésus est vivant. Ainsi tu pourras déclarer avec moi. Alléluia. Il est mon papa. Le Dieu qui m'a guéri, il est mon papa, le Dieu qui m'a relevé, il est mon papa, le Dieu qui m'a guéri, il est mon papa. Alors que j'étais cloué sur le lit de l'hôpital, il m'a guéri. Alors que je ne pouvais plus marcher, il m'a relevé. Alors que je ne pouvais plus voir, il m'a rendu la vie, la vue. Alors que j'étais paralysé, mon Seigneur m'a relevé.
Alors que j'avais le cancer, il m'a guéri. Alors que j'avais le fibrome, mon Seigneur m'a guéri. Alors que j'avais le diabète, mon Seigneur se levait pour ma guérison. Alors que j'étais perdu, je n'avais plus d'espoir, il s'est révélé à moi. Voilà pourquoi je déclare le Dieu qui m'a guéri. Je le déclare, il est mon papa et le Dieu qui m'a guéri. Il est mon papa d'amour. Alléluia. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu au nom de Jésus et par la puissance de l'Esprit. Tu es à l'œuvre dans la vie de toutes les personnes qui t'invoquent en ce moment. Tu opères de grandes choses. Nous le croyons fermement. De très grandes choses, Père, parce que tu le dis, tu es à l'œuvre. Constamment à l'œuvre. Merci. Merci pour tous ces miracles qui se produisent. Merci pour ta grâce. Merci. Merci. Bien-aimé, demeure dans cette action de grâce et dans cette foi que Dieu a tout accompli. Demeure dans cette action de grâce et dans cette foi que Dieu a tout accompli. Demeure dans cette action de grâce et dans cette foi que tout est accompli. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente et glorieuse journée. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.